Le recyclage, la chasse au gaspillage ou encore même les jardins partagés, tant d'initiatives en faveur du développement durable, des notions qui se retrouvent dans les programmes scolaires et qui sont enseignées par le biais de la pratique. Là, on est en train de voir du vocabulaire autour des outils, autour de l'entretien du jardin et autour des plantes, des fruits et des fleurs. La secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas, a félicité justement les élèves pour les démarches et initiatives entreprises envers la protection de l'environnement et la biodiversité. Ils sont des messagers, on l'a dit, les enfants me l'ont dit également. Par exemple, quand ils font du tri de déchets, ils, ils ramènent aussi ces bonnes pratiques à la maison. Donc ça les valorise énormément. Et puis, et puis voilà, ce sont des gestes du quotidien qui sont, qui sont importants pour eux. Chaque geste compte pour la planète. Les inquiétudes face à la situation environnementale se multiplient et sont d'ailleurs prises au sérieux par l'Académie Nancy Mess. Elle souhaite d'ailleurs impliquer davantage d'élèves dans cette démarche. On a déjà plus d'une centaine d'établissements qui sont labellisés développement durable, E3D, et nous avons un objectif d'ici deux ans qui est d'atteindre à peu près les 300 labellisations. La jeunesse se retrouve ambassadrice de l'environnement de demain, mais compte tout de même sur la société d'aujourd'hui pour en faire une responsabilité de tous.